Donc, mon nom c'est Claude Goulet, je suis directeur des rencontres internationales de la photographie en Gaspésie. Nous travaillons depuis 4 ans en partenariat avec Diaphane. Au fait, le fruit aussi de ce travail, le fruit de ce travail fait en sorte que des photographes québécois et français se déplacent de chaque côté de l'Atlantique. Donc, depuis maintenant 4 ans, bon nombre de photographes sont venus ici en France, nous, on a accueilli aussi bon nombre de photographes québécois. Sont venus ici en France, c'est des photographes français chez nous. Donc, c'est des résidences d'artistes. Et l'année d'après, c'est la restitution. Entre autres, c'est un exemple du travail de Serge Clément que vous voyez ici. Serge a fait une résidence l'année dernière et ça fait en sorte que cette année, c'est la restitution de l'exposition. De notre côté, c'est Martin Pekka, cette année, qui est venu en résidence à l'automne et que nous avons accueilli. Donc, le projet qu'on a développé avec Diaphane, ça s'appelle Territoire imprimé. Ça concerne bien entendu les résidences d'artistes, l'accueil d'artistes, mais ça comprend aussi la coédition. La coédition. Donc, ça nous permet de présenter un travail autour de cette année, c'est la photographe française dont on a édité le livre, c'est Claudia Imbert. C'est une collaboration avec Diaphane, Filigrane et nous, les éditions Escuminac. Et le prochain livre, c'est celui de Serge Clément. Donc, c'est un partenariat qui dure et auquel on est agréablement pour surpris, mais agréablement enchanté de ce travail, parce que c'est vraiment une vraie complicité, c'est un vrai travail de fond qu'on est en train de mettre en place avec Diaphane autour de projets artistiques, autour des artistes qui nous intéressent, qui nous stimulent. Et de chaque côté aussi, ça nous permet de découvrir des artistes qui sont riches, les rencontres qui se passent avec autant les photographes québécois que les photographes français, autant nous en tant qu'organisme, toute cette réflexion-là sur le développement de notre métier, au fait, comme événement, comme festival, c'est assez riche comme expérience.